Sekeleo,
Le secret de ta délivrance. On peut acclamer celui qui s'appelle ton secret debout. On n'acclame pas ton secret assis. On acclame celui qui appelle le secret de la réussite de tes enfants. Jésus-Christ de Nazareth, poussons le cri de joie. Poussons le cri de joie. Nous invitons maintenant le comité de sensibilisation de la JCC Paris. Pendant qu'ils s'avancent, on acclame le Seigneur des Seigneurs, on acclame le roi des rois, chorale. La JCC doit percer. Gloire au Seigneur. Méga retraite, après tant d'années, nous voici à la méga retraite. Jésus crie à paix, nous voulons le témoigner. Méga retraite, après tant d'années, nous voici à la méga retraite. Jésus crie à paix, nous voulons le témoigner. Méga retraite, donc au percé. Donc au percé. Je sais pas danser. Les jeunes, c'est la vigueur. Les jeunes, bien aimé, c'est dynamique. Les jeunes, c'est la puissance. Mais moi, je ne vois pas cette puissance là. Bosobi naté, bah jeune, on dirait bah papa, mon gros boy. Répète encore. J'aimerais voir les jeunes. Alléluia. J'aimerais voir les jeunes, les jeunes. La JCC avance, Téva, s'il vous plaît. Avance, la JCC. Est-ce qu'on peut manifester la joie en acclamant Jésus? Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons le Tout-Puissant, acclamons Jésus. Gloire à Jésus, là j'ai senti la joie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas beaucoup de temps. Avant de continuer, j'aimerais passer le micro à mon frère Fortuna. Pendant une minute, il va nous expliquer comment Dieu l'a visité pendant une retraite et quel est le rôle que sa maman a joué dans sa présence à cette retraite-là. Amen. Amen. Alléluia, les bien-aimés. Amen. Sainte Péniel, alléluia. Amen. Sifemse, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des JCC dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des JCC dans cette salle? JCC, Je ne serai pas très long. Mon nom est frère Fortuna, pour ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Prof. Et je me rappelle, c'était comme hier. Mes premières pas à la JCC, il y a un de mes encadreurs qui m'a dit, Fortuna, à la JCC, on ne combat pas les portes communes. Nous sommes au combat spirituel, il faut viser le cible. Amen. Amen.
Et je demandais, mais qu'est-ce que je vais faire pour viser le cible? Il me répond, mon encadreur à l'époque, Fortuna, il faut chercher la révélation. Il faut avoir la vision. Mais je veux avoir la vision comment? Il faut prier, Dieu va te révéler. Papa dit, voilà, lobby. Ah, ma vie au pays, ma vie au yo. Nous avons quitté au loba. Ah! Bon, non, mais canon. Je rentre à la maison, je prie. J'ai pas de vision. Je retourne, je dis, mais messieurs, moi, j'ai pas de vision. Et ça tombe pile poil, il y avait la retraite de la JCC. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire retraite. 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 Et il y avait la retraite de la JCC. Non. La vision qu'elle est en train de chercher, tu peux trouver ça à la retraite. Il faut aller à la retraite. Je dis, mais c'est quoi la différence prier à la maison et à la retraite? Elle me répond, non, la retraite, tu es interné. Là-bas, il y a plus la présence de Dieu. Vous êtes interné, vous êtes en train de prier. Là-bas, il n'y a pas de distraction. Tu te réveilles, il y a la prière. Tu te reposes, tu te réveilles encore, il y a la prière. Amen. Amen. À la maison, tu peux regarder la télé. À la maison, il y a toutes des distractions. Tes amis peuvent t'appeler. Mais là-bas, tu n'es pas dans des distractions. Tu es enfermé et puis tu es en train de prier. Amen. Amen. Et c'est l'une de mes premières retraites. Écoutez la suite. J'arrive à la retraite, je suis en train de prier et Dieu me révèle. Dieu me révèle quoi? J'étais normalement condamné, consacré de servir la coutume. Amen. Amen. L'un de mes grands arrière-grands-pères était un chef coutumier et moi, normalement, je devais remplacer. Bien-aimé, tu peux être à Kinshasa ou bien, je ne sais pas, à Paris. Tu ne remplaces pas physiquement, mais tu peux remplacer spirituellement. Amen. Amen. Je suis originaire de Bandundu. C'est vraiment fréquent dans notre province en Bandundu. Et précisément, je suis de Massimanimba. Les gens qui sont de ce coin-là, ils savent. Amen. Amen. Il y a la sorcellerie à haute trans. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu m'a révélé. Papa, maman, vous allez remarquer, les enfants qui sont consacrés à servir le diable, à servir la coutume, ils sont souvent moins intelligents. Ils sont têtis. Ils s'écoutent pas. J'étais un garçon petit, têti, turbulent. Si papa dit A, moi j'ai dit B, je ne vais rien savoir. Amen. Amen. Et c'est comme ça la retraite que Dieu m'a révélé, que j'étais consacré à servir la coutume, raison pour laquelle j'étais têti, moins intelligent. Il y a 10 ans, 15 ans passé, si tu m'avais dit que je serais un jour professeur, enseignant en Europe, j'allais dire non, tu mens, t'es un menteur. J'allais te dire que tu mens, t'es un menteur, mais comment je peux arriver? Prof. C'est grâce à au Dieu de la JCC pendant les retraites. Allez, que j'ai eu la révélation. Amen. Et pendant les retraites, amen, j'ai traité mes révélations. Amen. Et aujourd'hui, voilà, je suis en costume. Alléluia. Amen. 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 J'allais être au fond de Bandou dans ma Simanimba. Amen. En train de servir la coutume. Or, le Dieu m'a localisé pendant la retraite. Amen. Amen. Je vais maintenant te motiver de venir s'aimer pour la retraite. Est-ce qu'il y a le logo de la JCC ici? Il y a le logo de la JCC. Papa, vous voyez, il y a deux bras. Amen. Donc, c'est papa, maman et l'enfant au milieu. Amen. Papa, maman, donc l'enfant n'est pas étouffé. Amen. Cela veut dire que si vous ne nous soutenez pas, nous serons étouffés. Amen. L'enfant ne peut pas normalement voler de ses propres ailes s'il n'a pas le soutien de ses parents. Amen. Donc, si vous ne nous soutenez pas, nous allons quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons être étouffés. Amen. Raison pour laquelle je vous supplie de venir nous soutenir. Nous allons aller très loin, nous allons aller à Bruxelles. Amen. Amen. Notre retraite, ça ne sera même pas à Paris. Nous allons se retirer un peu loin à Bruxelles. Amen. Amen. Nous avons besoin de votre soutien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, j'aimerais ajouter quelque chose pour les parents. Peut-être vous avez un enfant, peut-être qui a des difficultés, un enfant qui n'est pas encore venu au combat spirituel. Bien aimé, posez une action. Dieu est capable de toucher cet enfant. Tout ce qui va se passer là-bas avec Seine, Dieu va se souvenir de vous et Amen. De votre enfant. Amen. Vous avez un enfant, bien aimé, besoin d'aller délivrance. Il est encore en Afrique. Il a besoin. Chaque chose a son temps. Nous voulons maintenant manger la parole qui donne la vie. On ne peut pas accueillir la parole de Dieu ou recevoir la parole de Dieu sans pour autant louer le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors, si vous respirez, tu as forcé. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Bon, si tu ne respires pas, tu peux rester. Si tu respires, c'est que tu es d'accord avec moi. Amen. Alors, je vous invite maintenant. Il y a repoussana parce que nous voulons manger. C'est Amen. La parole de Dieu qui guérit. Amen. Si réellement, vraiment, nous respirons dans cette salle, Amen. On va louer Jésus. Amen. Quelle que soit la chaleur, Amen. Moi je respire. Amen. Je vais louer Dieu. Amen. Quelle que soit la chaleur, Amen. Je ne vais pas rester assis. Amen. Je vais louer Jésus. Attends, Moulouga, moi, Nengenini, Nakotchamouka, pour la gloire de Jésus. Amen. Chorale, louange.
zali molonge, kumama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Dieu, celui qui t'a accordé le souffle de vie,
Celui qui combat pour toi des combats visibles et invisibles. Celui qui t'a ramassé dans la boue des ténèbres de ta famille. Celui qui t'a tiré dans les séjours des morts. Celui qui t'a donné la bonne santé. Celui qui veille sur tes enfants, ton mari. Celui qui t'a donné la force de venir ce matin à la prière. Il mérite d'être acclamé notre Dieu. Il mérite d'être couronné de gloire. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Véritable. Son nom est Jésus. Nous poussons des cris de joie. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Rien de ce qui a été fait en dehors de la parole. Bien aimé, cet après-midi, c'est particulier. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi un canal qui va nous faire nourrir cet après-midi. Mais j'aimerais d'abord que tu acclames Jésus. Pendant qu'on acclame Jésus, on n'est pas assis. Pendant qu'on acclame Jésus, on est debout. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône. Et nous sommes là pour l'adorer. Il y a un canal que Dieu a mis à part cet après-midi. Il vient de très loin. Dans le pays là où est né Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous nourrir. Sous vos acclamations, j'avais invité les serviteurs de Dieu, les canaux par lesquels Dieu va nous parler ce soir, les disciples de Jésus-Christ, Papa Bonheur, des cris de joie. Ah, Baba le 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 Baba le le le. Nicolo ya jambo yo, toko te ya liloba, mama lele. Vraiment moi j'irai partout. Nicolo ya jambo yo, toko te ya liloba, mama lele. Vraiment moi j'irai partout. Va bien, Zambi que mote, Zambi que salabika. Bina na yo, bina na yo. Allez, bine la mokoti. Allez, va qui veut. Bine la sapomba. Allez, va qui veut. Bine la mokoti. Allez, va qui veut. Bine la sapomba. Allez, va qui veut. On avant, on avant, on avant, on avant, ma mère. On avant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau immolé. Il est Dieu, il est Dieu, il est présent. Tu peux acclamer le roi des rois, tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui change la vie. C'est lui qui change toutes tes situations. Même toi, tu étais venu ici inutile, Dieu va te donner de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a amené à ces lieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons adorer ces dieux-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu acclames encore très fort le roi des rois. Tu acclames le Seigneur des seigneurs, le Dieu des papas et des mamans Olangi. Amen. Nous sommes assis pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord rendre hommage à nos parents spirituels d'heureuse maman, mémoire, papa et maman Olangi. Amen. Amen. Si nous sommes là, parce que ce sont eux qui ont eu la vision. Amen. Et la vision qui a transformé les gens, et la vision qui a transformé le monde entier. Amen. Moi, j'ai dit souvent que nos parents viennent de rendre le monde en miniature. Amen. Tu ne manqueras même pas la place pour dormir. Dites amen. Et je remercie, je dis encore merci au couple Lissamba. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de battre ici en France, plus précisément à Paris. Et je rends aussi hommage à tous les missionnaires et à tous les disciples. Et sans oublier mon vieux. Et Papa Van, c'est depuis longtemps que moi j'ai connu ce papa. Amen.
Ils nous ont enseigné dans la cure de mes délivrances. Amen. Et aujourd'hui, il est en train de voir son disciple est en train de prêcher. Amen. Amen. C'est la joie pour ces dieux-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu parce que ce Dieu-là est merveilleux. Amen. C'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est pour ce Dieu-là. Amen. Si vous n'étiez pas là, moi je ne peux pas prendre la parole. Amen. Quand vous êtes là, voilà pourquoi je tiens au-devant de vous. Je ne suis pas spécial plus que vous. Mais je sais que l'Éternel va faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 6, au verset 33, pour la gloire de ce Dieu-là. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus parole du Seigneur. Amen. Amen. Je me présente d'abord. Je me nomme Papa Bonheur Sitouatala. Je suis gravement marié. Amen. Avec une belle femme du monde. Et la femme que j'aime beaucoup, je l'appelle ma pamplemousse. Amen. Et avec elle, nous avons Dieu nous a donné deux enfants. Amen. Deux belles filles pour la gloire de ce Dieu-là. Et ce sont aussi nos intercesseuses. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Les maris de maman aimée. Amen. Tu entends parler de maman aimée. C'est moi, son mari. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6 au verset 33. Il n'y a pas beaucoup de temps. Alors la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand je regarde cette phrase, bien-aimés, c'est au conditionnel. Donc, il y a une condition là-dedans. C'est au conditionnel. Je peux vous dire que c'est un ordre donné par Dieu lui-même. Personne ne peut oublier l'ordre que Dieu a donné. C'est-à-dire, l'ordre que Dieu a donné dans sa parole, c'est dans la vie de tout chrétien, sans exception, chercher premièrement le royaume des cieux. Si nous sommes là, nous ne sommes pas venus chercher un homme, mais nous sommes venus chercher la parole de Dieu. La parole qui change la vie. La parole qui donne la solution. La parole qui transforme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, lorsque j'ai pris cette parole, j'ai lu, ça me concerne toute ma vie. Alléluia. J'entre directement, bien-aimé, pour mieux comprendre. Tel que moi, je suis là, je suis un témoignage vivant du ministère chrétien du combat spirituel. Il y a ma sœur dans cette salle. À chaque fois qu'elle vient en Israël, moi je dis, si aujourd'hui les gens quittent le ministère, je resterai seul. Dites amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ce que moi je vis dans ce ministère, donc je ne peux pas oublier. Même s'il y a des combats, je vais demeurer. Je vais chercher toujours la face de ce Dieu-là. Parce que je connais là où j'étais et là où Dieu m'a amené. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous sommes là pour chercher premièrement la parole de Dieu, c'est la parole qui change la vie. Nous ne sommes pas venus chercher de l'argent. Nous ne sommes pas venus critiquer. Là où nous étions, dans la coutume, dans la sorcellerie, mais regarde comment ce Dieu-là nous a ramassés, nous a ramenés vers lui. Peut-être, dans ta vie, personne n'est venu te prêcher. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a montré le ministère chrétien du combat spirituel. Moi qui suis votre frère bien-aimé, moi je suis un Gilois, laisse-moi vous dire la vérité. Et j'ai résidé dans un quartier là où il y avait des bandits, des gens qui fumaient du chanvre. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es dans cette salle, tu me connais.
Alléluia. Mais tu as déjà oublié. Et la Bible dit, est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Alléluia. Moi, je viens de Lumani, au quartier Neuf. Alléluia. Et c'est par là que Dieu m'a tiré. Alléluia. Il y avait des gens qui nous minimisaient, qui nous critiquaient. Mais ces jours-là, je suivais mon frère. À chaque fois que mon frère venait auprès de moi, il m'amenait pour aller dans des concerts. Ici, je ne peux pas citer les noms de cet orchestre-là, mais je vais lever les noms de Jésus-Christ. Quand il venait chez moi, il m'amenait dans cet orchestre-là pour aller dans des concerts. Mais les jours où j'ai vu ce frère-là, il commence à parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, même si je dors, je ne peux pas oublier cette date-là. C'était le 28 juillet 1993. Et le jour que moi j'avais mis mes pieds au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, moi j'ai dit à mon frère là, je cite un peu son nom, c'est Cyril Babaka. Bien-aimé, mon frère là m'a conduit, il a dit que Papa Bona, je t'ai dit, ne regarde personne. Cherchez seulement Dieu. Et tu verras la main de l'Éternel. Et Dieu veut faire à toi de quelque chose. Bien-aimé, je suis venu dans ce ministère. Je me suis consacré, concentré même dans la parole de Dieu. Et je vous ai cité le nom de Papa Van. Ce sont eux qui nous ont conduits à la délivrance, la cure de mes délivrances. Bien-aimé, on a cherché ces dieux par-ci, par-là, à l'IPEN, on dormait par terre. Dans des quarantaines, nous étions partis même à Kobota et Elengi. Je sais qu'il y a des gens ici qui connaissaient Kobota et Elengi. Nous étions là avec maman Élisée Kassongo, par-ci, par-là, à 17e rue. Nous étions toujours là pour suivre ces dieux-là. Cherchez toujours la parole de Dieu, bien-aimé. Cherchez toujours Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne seras pas abandonné. Bien-aimé, ces jours-là, j'ai continué toujours à chercher Dieu. À chercher Dieu. À chercher Dieu dans des jeûnes et prières. Moi, dans notre famille, on nous amenait chez les féticheurs pour aller chercher la solution. Mais ces jours-là, ce n'était pas un membre de ma famille qui m'a amené au combat spirituel. C'est mon frère qui m'a amené dans des concerts du monde, qui m'a amené au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Et mon frère a dit, cherche Dieu et tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, de la manière que moi je suis en train de voyager aujourd'hui, mon frère n'a même pas voyagé comme ça. Mais pourquoi? Parce que je suis en train de marcher avec ce Dieu-là. Ce Dieu-là me conduit partout. Et les jours, maman Olangi avait entendu mon témoignage de Reste Mémoire, bien-aimé, il m'a appelé. Il a dit, Bona, viens, reste chez moi dans ma maison. Bien-aimé, moi je disais, moi qui suis dans la malédiction, mais comment je vais dormir avec maman Olangi dans sa maison? Alléluia. Mais maman a dit, viens, tu vas chercher ce Dieu-là ici dans cette maison. Oh, bien-aimé, en cherchant ce Dieu-là dans sa maison, ce jour-là, le matin, c'était le 30 juin, maman a dit, il y avait une conférence de presse dehors. Maman a dit, je cherche quelqu'un pour aller à Douala. Alors, bien-aimé, je n'ai jamais fait une mission en dehors, donc au sein de notre pays. Mais en cherchant Dieu, Dieu m'a mis à côté de maman. Il a dit, mais qui peut aller à Douala? Parce qu'on m'appelle souvent à Douala, il y a le désordre là-bas. Moi, je n'étais pas là. Moi, après avoir terminé la prière de 9h à 12h, j'ai dormi un peu. Maman a dit, non, appelle-moi Bona. Je suis venu auprès de maman. Maman a dit, Bona, tu as le passeport. Et en ce moment-là, papa Olang sortait de la maison. Moi, j'ai dit à maman, non, je n'ai pas le passeport. Papa, écoutez ce que papa avait dit. Toi, disciple, tu n'as pas le passeport. Maman a dit, non, il cherche Dieu. Il aime Dieu. Je vais l'envoyer au Cameroun. Acclame le roi des rois. Bien-aimé, moi qui ai commencé à chercher la solution auprès des sorciers, mais en venant à ces lieux, au combat spirituel, j'ai commencé à chercher ce Dieu-là. Et Dieu m'a payé les billets, m'a fait le passeport. Maman a dit, non, va au studio Guy pour prendre la photo. On m'a pris la photo. Directement, tous les documents sont sortis. Je suis parti à Douala, au Cameroun, pour faire ma mission. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça n'a même pas tardé.
un jour, maman était, papa était en Afrique du Sud. Maman a dit non. Je regarde mon téléphone a sonné, c'est maman. Bona, appelle ta femme de me rejoindre au Cameroun. Alléluia. Et c'est par là, je vais vous faire marier. Oh, bien-aimé, je vous dis, c'était scandale. Je ne sais pas s'il y a déjà des doigts là ici. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais ici. Bien-aimé, c'était scandale. De la manière moi je suis marié au Cameroun, aucune personne de ma famille s'est mariée comme ça. Si ce n'est que les dieux du ministère chrétien du combat spirituel. Pourquoi en cherchant Dieu dans la prière, dans des jeunes prières, bien-aimé, Dieu là m'a fait une autre personne. Voilà pourquoi je vous avais dit, est-ce que quelque chose peut sortir de Nazareth? Aujourd'hui, je suis un homme de la valeur au sein de ma famille. Alléluia. Bien-aimé, si tu descends à ma famille, on va te dire qu'il y a un pasteur là-bas, alors que chez nous, il n'y a pas de pasteur. Dites amen. Bien-aimé, et de la manière que moi je me comporte au sein de ma famille, ils ont dit que non, nous allons maintenant te suivre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il faut que nos comportements commencent à prêcher. Au lieu d'ouvrir la Bible, ferme ta Bible, mais ton comportement maintenant commence à prêcher. Alléluia. Et voilà comment, bien-aimé, aujourd'hui, je suis un homme respectueux au sein de ma famille. C'est-à-dire que, dans l'équipe, on est l'autre côté. Si ce n'est que mon Dieu est au-dessus de tout. Voilà comment aujourd'hui, il me respecte à cause de Dieu, de papa et de maman Olangi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Même si Dieu a pris papa et maman Olangi, mais son Dieu est là. Son Dieu est là. Amen. Ta solution est là. Amen. Ta guérison est là. Amen. Même si toi tu es venu malade ici, bien-aimé, tu auras la solution. Amen. Ton problème, c'est seulement chercher Dieu. Amen. Chercher Dieu. Amen. Lorsque toi tu vas chercher Dieu, bien-aimé, Dieu même va prendre soin de toi. Amen. Et soin de ta maison. Amen. Il ne faut pas tourmenter. Ne fais pas parpiller tes yeux par-ci par-là. Cherche seulement Dieu en profondeur. Amen. Et tu verras la main de ces dieux-là. Bien-aimé, ça n'a pas encore terminé. Et après notre mariage, Dieu nous a amenés en Corée du Sud, à Séoul. Alléluia. Amen. Bien-aimé, non, j'ai dit, c'est Dieu est merveilleux. En passant, je vais vous dire que ma femme, c'est une diplomate de carrière. Amen, hein? Amen. C'est une diplomate de carrière. Donc, c'est-à-dire qu'au moment que moi, je suis en train de prêcher ici, elle est en train d'intercéder pour moi. Lorsqu'elle était à Kinshasa, moi aussi j'ai intercédé pour elle. Alléluia. Amen. Voilà comment nous sommes en train de chercher Dieu. Nous ne sommes pas chercher Dieu dans des futilités. Parce que dans des futilités, il n'y a pas Dieu. Mais chercher Dieu en profondeur, tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu vois que ton frère est venu malade, ne regarde pas ton frère. Toi, regarde seulement ton problème avec Dieu et tu auras la solution. Amen. Bien-aimé, arrivé en Corée du Sud, une année après, on nous a mité maintenant, on nous a transféré en Israël, Tel Aviv. Acclame les rois des rois. Amen. Et nous sommes en train de marcher sur le pas de Jésus. Amen. Ce que moi j'ai rêvé, ce que moi j'ai lisé dans la Bible, je suis en train de voir ça qui m'en a mis. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a une place en Israël que moi je n'ai jamais visitée. Si tu viens en Israël, téléphone-nous, on va t'accueillir. Et la délégation qui arrive en Israël, nous et ma femme nous accueillons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, je te donne la foi. Cherchons Dieu en profondeur. Cherchons Dieu, même si tu es malade, même si rien ne marche, cherchons Dieu et tu verras la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce Dieu-là a fait de grandes choses. Mais aujourd'hui, nous sommes venus seulement pour adorer ce Dieu-là. Parce qu'en cherchant Dieu, il y a toujours la victoire. Amen. En cherchant Dieu dans la positivité, bien-aimé, il y a toujours la solution. Hier, nous étions partis chez le féticheur. Mais aujourd'hui, nous sommes venus au Dieu de papa et de maman au langue. Amen. Quelle différence, bien-aimé. Quelle différence. Ce Dieu-là est en train d'opérer des grandes choses dans notre vie. Bien-aimé, ce Dieu-là est merveilleux. Il n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es,
tu vas toujours élever ta voix. Tu vas toujours commencer à contempler la grandeur de ce Dieu-là. Même si rien ne marche, cherchons toujours Dieu. Amen. Dans la quarantaine, dans la chaîne de prière, cherchons toujours Dieu. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que l'Éternel va te répondre. Amen. Moi, je ne savais même pas. Mais ce jour-là, Dieu m'avait appelé auprès de papa et de maman Hollande. Bien-aimé, moi qui étais sorti de l'Oumanie, là où il n'y avait rien, il n'y avait pas la considération. Mais aujourd'hui, il y a la considération au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand je descends à Kinshasa, mais il faut voir comment les gens m'accueillent pour la gloire de ce Dieu-là. Amen. Amen. Parce que je vois la main de Dieu. Les gens disent que non, nous voyons la grandeur de Dieu. Et nous étions à côté de toi. De la manière que toi tu cherchais Dieu, aujourd'hui nous pouvons témoigner sa grandeur-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas sous-estimer ta prière. Personne ne peut dire que non, toi tu ne pries pas. Bien-aimé, priez. Continue à prier. Continue toujours à prier. Continue toujours à prier. Même s'il y a la lumière, bien-aimé, demain la lumière apparaîtra. Amen. Demain tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi, bien-aimé, en terminant, la Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, il est au milieu de toi. Dieu est à côté de toi. Lorsque toi tu vas l'invoquer, bien-aimé, dans la repentance, laisse-moi te dire, moi je ne demande rien à Dieu. Moi et ma femme, nous ne demandons rien à Dieu, si ce n'est que la repentance. Bien-aimé, la repentance paye. J'ai dit bien, la repentance paye. Nous faisons souvent la repentance. Peut-être que toi tu as déjà oublié, mais continue toujours à faire la repentance. Amen. La repentance, c'est la clé. Lorsque toi tu vas faire une repentance sincère, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Sans intervention, si ce n'est que l'intervention divine. Voilà pourquoi, bien-aimé, que l'Éternel bénisse sa parole. Voilà pourquoi nous allons adorer Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons adorer Jésus avec la chorale, s'il vous plaît, pour ce message qui nous vient de très loin. La chorale, on adore Jésus. Nous allons adorer notre Dieu. Prenons une bonne position, s'il vous plaît. Nous prenons la position d'humilité devant notre Dieu, s'il vous plaît. Hosanna. Zambenanga na luki o Yesu e Yahweh Hosanna Mosungia koka mato beleli o e Yahweh Hosanna Yesu Na lukio na bomo inangaiye Yawe Tu m'as parlé Cherche premier mais le remède de ce Yawe Tu m'as parlé Cherche premier Yeah.
et le reste vous sera donné par-dessus. Seigneur, tu nous as interpellés encore cet après-midi. Tolukaya Yesu. Oh Yahweh. Alléluia. Yanda ya baba. Alléluia. Talo binanga. Yesu. Osalaka di kama. Yesu. Yangona ye. Yesu. Salelanga. Yesu. Talo binanga. Yesu. Yeah.
Voilà le coup, moi, la voix de la zone.
Hosanna, alléluia. Jésus, le vainqueur de Golgotha. Jésus, le puissant de Jacob. Il est là. Quand Jésus est là, Jésus. Il est là. Oh Jésus, reçois l'adoration, reçois la gloire. Me regardera cet homme, mira cadera va, mi cadera setemo, mara cadera satere, mira cadera nos. Yahweh, Yahweh. Oh, qui est comme toi, Jésus? Marekate. Mimbre satere. Maraba bossate. Yahweh, Yahweh. Qui est comme toi? Yahweh, Yahweh. Reçois l'adoration. Olenanda. Reçois l'adoration, Jésus. Yahweh, 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 Yosali, Volenanga. Nous sommes debout, élève tes mains. Nous élevons nos mains. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Il est là. Alléluia. Lève tes mains. Alléluia. My God. Oh, come on, adoration et allélo. Oh, come on, adoration et allélo. Oh, come on, adoration. Lève tes mains. Jésus. Sois concentré. Jésus. Alléluia. Jésus. Na 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 na
des rois. Attamilele. Acclamons les rois des rois. Acclamons Attamilele. De l'éternité, il est Dieu. Des générations, il est Dieu. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Alléluia. Il siège au milieu des acclamations. Alléluia. Il descend au milieu des acclamations. Gloire, gloire. Il délivre au milieu des acclamations. Gloire, gloire. Il guérit au milieu des acclamations. Gloire. Il console au milieu des acclamations. Gloire, gloire. Poussons les cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons senti sa présence. Amen. Il nous a délivrés. Amen. Il a brisé les chaînes. Amen. Il nous a guéris. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire, gloire. Acclamons gloire, le Seigneur. Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous demandons à nos bien-aimés qui sont venus juste après les services d'offrande.